Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'accueillir Antoine et la Société d'Histoire pour cet événement. La Société d'Histoire et la Chambre de commerce organisent déjà des événements, notamment à Shanghai, depuis plusieurs années. Ce soir, c'est la première fois qu'on organise un événement à Pékin. On est ravis de le faire et on espère qu'il y aura de nombreux événements de ce style à l'avenir. Je vais laisser Antoine vous présenter plus la Société d'Histoire et l'intervention de Roland Cheff ce soir. Merci beaucoup. Merci Morgan. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir ici en présentiel pour les plus courageux et en ligne pour les plus nombreux de ce que je vois. Voilà, on salue tout le monde. Avant de commencer également, j'adresse mes remerciements à la Chambre de commerce de France en Chine et donc Morgan et toute son équipe, Céline et Siebing qui sont là avec nous ce soir. Nous sommes ravis également de compter sur votre support pour l'organisation de ce type d'événement et pour l'organisation du cocktail également qui suivra cette conférence. Alors pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion et la chance de rencontrer, donc je suis Antoine Oustrin, correspondant de la Société d'histoire des Français de Chine, ici à Pékin. Nous sommes une société d'histoire francophone, refondée en 2020 en Chine, à Shanghai, avec aujourd'hui un peu plus d'une centaine de membres, répartis dans toute la Chine, mais également ailleurs, et en France notamment, et constituée d'un comité de direction de 8 personnes, 7 à Shanghai et une à Pékin, donc volontaire pour l'organisation d'événements. Alors, notre société organise un certain nombre de conférences, comme celle de ce soir, mais également organise donc d'autres activités, un comité de recherche, des visites guidées, un club lecture également, qui se réunit plusieurs fois dans l'année en ligne et en présentiel, et organise également un certain nombre de publications de façon assez régulière sur notre compte WeChat et sur notre site internet. Je vais passer la slide suivante. Pardon, excusez-moi. Non, mais je vais continuer directement. Tu me dis quand c'est bon? On va passer en slide suivante. Voilà, juste pour introduire la société d'histoire. Et donc, dans le cadre de ces publications assez régulières, nous cherchons également des contributeurs. Hein, donc, si vous souhaitez participer aux différents travaux, activités et publications de la société, n'hésitez pas à nous contacter. On est une société très, très ouverte et intéressée par tous les sujets. Donc, pour en venir au sujet de ce soir, le voyage de Joseph-Marie Amyot en Chine. Ah non, slide suivante, slide précédente. Non, c'est bon, pardon. Ok. Je vais juste rester sur cette slide. Donc, juste pour introduire le sujet de notre conférence de ce soir, le voyage de Joseph-Marie Amyot en Chine au XVIIIe siècle. Alors, Amyot était un frère jésuite. Il a vécu quasiment l'intégralité de sa vie en Chine, où il est décédé en 1793, en apprenant la mort du roi, comme le dit la légende. Je pense que Roland reviendra là-dessus. Il a servi à la cour impériale Qing pendant plusieurs décennies, ici même à Pékin. Et alors que ses confrères jésuites, ses coreligionnaires étaient mathématiciens, astrophysiciens, linguistes, ingénieurs, peintres pour certains également, Amyot, lui, s'est intéressé à la musique chinoise. Et son étude de la musique chinoise est justement l'objet de notre conférence de ce soir. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir, la chance, le privilège d'accueillir Roland Scheif. À qui je vais laisser la parole dans un instant. Donc Roland, vous êtes professeur associé à l'Université des langues étrangères de Beijing, docteur en musicologie. Vous étudiez les questions d'identité et d'altérité en musique et vous vous intéressez vivement aux travaux d'Amyot en Chine. Roland, c'est à vous. Pardon, merci. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Ça va? Voilà, ce n'est pas une très grande pièce, donc ça devrait aller quand même. N'hésitez pas, évidemment, hein, il faut toujours dire si jamais il y a un petit problème. Donc, on va parler un peu de Joseph-Marie Amyot, qui effectivement est très intéressant du point de vue de la musique, du point de vue de la musique chinoise pour les Européens. Alors, avant de parler d'Amyot,
faire un peu de contextualisation pour expliquer pourquoi Amyo se retrouve justement en Chine. Donc, des missionnaires européens qui vont en Chine, on en trouve déjà fin 16e siècle, si je ne me trompe pas, Matteo Ricci, hein, on a le premier. Et ce qu'on constate, c'est que fin 17e siècle, il y a une volonté de rapprochement entre Louis XIV et puis l'empereur Kangxi. Et cette volonté de rapprochement, eh bien, va avoir pour effet que va être décidé en France d'envoyer des religieux français justement en Chine pour avoir des contacts, pour étudier, pour faire tout ce qu'on peut imaginer. Et donc 1685, les premiers religieux français embarquent pour la Chine. 30 novembre 1700, la naissance de la mission française de Pékin est attestée. Alors il y a deux objectifs majeurs pour cette mission française de Pékin. Un, ce sont des missionnaires, donc c'est évangéliser le pays. Et deux, la plupart, c'est des jésuites, et les jésuites, ils aiment bien étudier, donc ils vont étudier le pays. Donc, il y a une vraie étude scientifique. Alors, l'étude n'est pas gratuite, hein, on s'en doute, il y a toujours des arrière-pensées derrière, mais néanmoins, cette envie, cette avidité de recherche, d'étude, va avoir des effets très intéressants. Comme ça a été dit, on va avoir beaucoup de missionnaires qui vont se spécialiser dans un domaine. Ils vont beaucoup étudier l'astrophysique, ils vont étudier la géologie, l'histoire et la musique aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous ces jésuites qui sont là, eh bien, ils vont justement, choisir un domaine d'étude, vont se mettre à l'étudier, ils ne vont pas le garder pour eux. Donc, ils vont envoyer énormément de manuscrits, énormément de correspondances, justement, avec l'Europe. Et on aura plusieurs formes différentes. C'est-à-dire, on peut avoir des correspondances, donc c'est-à-dire des dialogues, au fond, hein, entre plusieurs personnes, avec une évolution du savoir, justement, là-dedans, plus des discussions, à longue distance, évidemment. Mais en même temps, beaucoup de manuscrits qui sont envoyés et qui vont être, justement, recueilli par le père Jean-Baptiste du Halde, donc lui établi à Paris, qui va compiler toutes ces informations, qui va les commenter, c'est intéressant quand même, hein, parce qu'il fait un commentaire dessus, et qui va les publier. Et alors, en 1735, on a un ouvrage, mais qui se veut colossal, « Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise ». On aimait bien faire des titres à rallonge à l'époque. C'est une tradition qui se perd, sauf pour les thèses. Les thèses, il faut toujours faire très, très lent. Voilà. Mais donc, on voit d'emblée dans le titre l'ambition de cet ouvrage. L'ambition, c'est une description, mais complète, totale. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment très 18e siècle, en fond. C'est très encyclopédiste comme vision. On a l'impression qu'on peut tout définir, tout encadrer. Évidemment, c'est une tâche quasi impossible. Il faut bien le dire, ce serait trop compliqué. Donc, on a énormément d'articles. L'ouvrage, c'est ça. C'est le livre se présente sous la forme d'articles différents qui sont attribués, évidemment, à tous ces missionnaires qui vivent en Chine. Alors, de ce livre-là, on a déjà un passage sur la musique, mais avant de parler de la musique, c'est pour vous dire que ce livre-là a un impact considérable en Europe. Il faut bien imaginer, c'est qu'on constate au XVIIIe siècle une vague sinophile qui sera à l'origine de ce qu'on appelle les chinoiseries. Alors les chinoiseries, vous avez un exemple ici avec François Boucher, le jardin chinois, c'est un exemple de chinoiserie. C'est quoi des chinoiseries? Eh bien, on prend des éléments chinois, mais on le met dans un art français ou européen, on pourrait dire, de manière plus générale. J'ai gardé le jardin chinois, mais je l'aime beaucoup, parce que quand je le montre à mes étudiants pour le cours d'histoire de l'art, ils sont en général un peu interloqués. Je dis, voilà, c'est le jardin chinois. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a de chinois là-dedans? Et donc, c'est parfois assez compliqué, parce qu'on a des objets éparses, mais on pourrait imaginer
de se dire, mais par exemple, si vous prenez l'éventail dans le vase en porcelaine, est-ce que c'est la place de l'éventail d'être à ce moment-là? Et j'ai une étudiante qui a fait un travail, qui a fait son mémoire sur justement le jardin chinois ici de François Boucher, et qui m'expliquait que ça la déroutait au départ de voir tous ces éléments-là qui n'étaient pas à leur place, comme elle le disait. Et donc, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que François Boucher, il fait un art français. Il est français. Il reste dans une logique française. Donc, il ne veut pas faire du chinois pour les Chinois, vous comprenez ? Il prend des images qu'il sort de leur contexte, évidemment, pour en faire, pour leur dire autre chose. Et ça, c'est vraiment pas toujours facile à comprendre lorsqu'on est face à ce genre de choses. On pourrait imaginer la même chose, hein, mais on peut prendre un exemple très simple. Si vous prenez les restaurants, voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, peut-être. Vous prenez, par exemple, si vous allez en Europe et vous prenez les restaurants chinois. Bon, tous ceux qui ont vécu en Chine, qui ont mangé en Chine, savent que la plupart des restaurants chinois, c'est plutôt exotique. C'est pas vraiment ce qu'on peut manger en Chine. Eh ben, l'inverse est vrai aussi en Chine, en fait. Si vous prenez des restaurants européens, parfois, c'est très difficile. Moi, on m'a déjà présenté des plats qui étaient européens. J'ai regardé, j'ai dit, je ne connais pas. Voyez, et la même réaction que pouvait avoir ma femme justement quand elle était en Belgique dans un restaurant chinois. Donc peu importe, on a une vague sinophile. Donc toutes ces images chinoises, tous ces objets chinois qui arrivent et qui vont même influencer, donc ils vont influencer les arts plastiques, les meubles, tout ce qui est décoratif, qui vont influencer aussi le théâtre et l'opéra, c'est-à-dire influencer, pas vraiment, c'est on prend des sujets. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, de Johann Adolf Hasse, ça c'est un très très grand compositeur d'opéra seria, vraiment vraiment très très connu à l'époque, Christoph Willibald Gluck, Gluck aussi, vraiment un des plus célèbres. Donc on a les Roé chinoises, les chinoises, l'orphelin de la Chine de Voltaire que normalement tout le monde a sans doute déjà entendu, et les Roé chinoises de Domenico Cimarosa. Et on voit 1782, on a toujours cette référence justement hein, à ces éléments chinois. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre à propos de la musique ? Donc, dans cette description, on a un chapitre sur la musique chinoise, évidemment. Maintenant, il faut dire la vérité, dans ce chapitre, la musique chinoise n'est pas à son avantage et elle n'est pas forcément critiquée directement, mais on va mettre plutôt l'avantage pour les Européens. On va mettre les Européens en avant. Vous avez un extrait ici qui vient de ce chapitre-là. Je vous donne le contexte. Donc, on a des missionnaires qui sont à la cour de l'empereur, qui entendent des musiciens de l'empereur jouer. Et puis, bon, vous savez ce qui peut arriver parfois, eux-mêmes sont musiciens, ils jouent et donc on va savoir à jouer qui est le plus fort, qui au fond peut arriver à voilà, quel art est le meilleur. On fait ça dans tous les domaines, on fait ça dans toutes les civilisations, tout le temps, partout. Ils le font ici aussi. En tout cas, attention, c'est un témoignage d'un Européen. Il faut garder ça en tête, vous comprenez ? Alors, on va lire ce qui va se passer. Le père Pereira prit ses tablettes, et il nota l'air tout entier pendant que les musiciens le chantaient. Quand ils eurent fini, le père Pereira répéta sans manquer un seul ton, et comme s'il se fût longtemps exercé à l'apprendre. L'empereur eut de la peine à le croire, tant il parut surpris. Il donna de grandes louanges à la justesse, à la beauté et à la facilité de la musique d'Europe. Il admira surtout que ce père eût appris en si peu de temps un air qui lui avait tant coûté à lui et à ses musiciens, et que le secours de quelques caractères, il se fut rendu si sensible qu'il lui était impossible de l'oublier. Il va encore plus loin. Pour s'en mieux convaincre, il en fit encore plusieurs fois l'épreuve. Il chanta plusieurs airs différents que le père notait à mesure et qu'il répétait incontinent après, dans la dernière justesse. « Il faut l'avouer, s'écria l'empereur, une petite faute de frappe, la musique d'Europe est incomparable. » Et ce père, parlant du père Pereira, n'a pas son semblable dans tout l'Empire. Alors voilà, ça c'est un très bel éloge, mais première chose, on peut douter de l'anecdote. C'est-à-dire, qui ramène cette anecdote-là ? C'est un Européen. Et pourquoi je vous donne cette anecdote-là ? Parce que c'est ce genre d'anecdote qu'on retrouve souvent. On retrouve souvent dans les ouvrages antérieurs, c'est des petits épisodes comme ça. On n'a pas vraiment d'éléments sur la musique chinoise. Dans ce chapitre, il y a un peu plus, même si c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup. Mais, par exemple, la chose qui me frappe
tout de suite quand je lis un chapitre censé être sur la musique chinoise et j'ai une anecdote comme ça. Donc vous voyez déjà, ça pose question. Et donc, c'est cet état-là. On va mettre en avant quand même la musique européenne qui surclasserait la musique chinoise. Et d'ailleurs, même l'empereur le reconnaîtrait. Ce qui est quand même beaucoup demandé, je pense. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir, parce qu'après, ça aura son importance avec Amyo. Alors, en même temps, on a des airs chinois qui vont être annotés et qui vont être envoyés en Europe. Vous avez ici un exemple d'air chinois. Et, alors, on va voir si ça marche. Vous avez un extrait. Il faut attendre un peu avant qu'il se lance. Voilà. Donc ça, c'est l'air. Vous voyez l'air qui est repris ici. Et alors, la petite surprise, c'est que c'est un compositeur allemand qui reprend cet air-là pour un de ses opéras. C'est Karl Maria von Weber dans Turandot. Alors, on n'entend pas très bien. Bon, il y a l'orchestration qui... Ah, c'est dommage, on n'entend pas très bien. Bref, mais vous pouvez retrouver si vous voulez. Alors, si on peut faire un peu plus fort. Voilà, parce qu'il faudra faire attention parce qu'après, ça va aller très très fort. Donc, préparez-vous. Je pense que c'est comme ça pour... Ah oui, pardon, c'est moi qui dois faire ça. Hop, voilà, voilà, voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour vous dire, voilà, on va même prendre des airs chinois et on va les citer. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont, comment dirais-je, traités à la chinoise? Évidemment que non. Ils sont utilisés comme un matériau, je dirais, comme n'importe quel air pourrait être utilisé par un compositeur. Ils peuvent le faire... On peut imaginer, par exemple, vous connaissez tous le « Ah, vous dirais-je, maman » de Mozart. Hein, eh bien, en fait, il n'est pas de Mozart. C'est-à-dire, le thème, c'est un air folklorique que Mozart a entendu et puis il va en faire des variations. Donc, c'est un matériau qu'on peut utiliser, mais néanmoins, il est accessible par justement cette description de Duhalde. Ça va ? Et par, évidemment, le fait que ça se propage en Europe. On en arrive à Joseph-Marie Amyot. Alors, pourquoi on parle de lui et pourquoi il y a une sorte de basculement là-dedans ? Parce que la première véritable étude occidentale sur la musique chinoise provient du père Joseph-Marie Amyot. Voilà, c'est le premier. Et la conférence, je l'ai pensée comme, dans le titre, c'est un voyage, et c'est de montrer le cheminement en fait d'Amyot qui l'a amené jusqu'à ce résultat-là, jusqu'à cette, je dirais pas philosophie, mais manière de penser qui lui a permis de réaliser ce mémoire. Ce que vous allez voir, ce n'est pas si facile. Donc, le 22 août 1751, il arrive dans la capitale chinoise et, comme Antoine l'avait très bien dit avant, il va rester toute sa vie là. Et bon, il meurt. Alors voilà, c'est ça, selon la légende, il a appris que le roi Louis XVI était mort et voilà, attaque cardiaque et fini. On ne sait pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu, mais bon, c'est ce qu'on raconte en général. Plus important, je crois, c'est qu'il a une réelle volonté de s'assimiler à la culture chinoise. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très vite chez lui. Et je trouve ça très intéressant parce que son attitude va trancher par rapport à ce qu'on pouvait avoir précédemment. Donc, il n'est pas question de bien ou de mal, évidemment, mais on voit dans l'attitude, si je caricature un peu, de la personne qui a rédigé l'anecdote de Duhalde. Est-ce qu'il est tout à fait honnête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment mettre en doute ça? Et les raisons, même si c'est vrai, admettons, quelles sont les raisons qui le pousseraient à écrire ça? Donc, on voit que même dans un chapitre de la musique chinoise, on parle encore de la musique européenne. Amyot, lui, au contraire, il va changer complètement de raisonnement, de façon de penser. Il va essayer de parler uniquement de la musique chinoise pour elle-même. Alors, avant de faire son fameux mémoire, dont on parlera un peu plus tard, il va
travailler sur beaucoup, dans beaucoup de domaines différents. Par exemple, il va envoyer lui aussi des manuscrits à Paris. Il fait beaucoup de traductions. Alors, j'ai lu récemment qu'apparemment, il serait à l'origine de la première traduction de L'Art de la guerre de Sun Tzu en français. Donc voilà, ça, c'était quelque chose que j'avais appris. Vous voyez, Amio, il m'intéresse en tant que musicologue, mais on en apprend tous les jours. Donc, il fait plusieurs traductions. Il a aussi de nombreux entretiens épistolaires. Et ça, c'est très intéressant parce que, alors, de mémoire, évidemment, tous ces entretiens épistolaires, normalement, la plupart sont conservés. En tout cas, ceux qui sont conservés sont à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils contiennent énormément d'informations complémentaires à ces grands travaux. Parce que Amio était dans une culture qui était la culture de la discussion. C'est-à-dire qu'il envoyait des manuscrits, mais il était prêt justement à cette discussion, qui est très 18e siècle au fond, et de remettre justement en cause ce qu'il avait écrit, de rechercher, de revérifier, etc. Donc on a ça. On a également d'autres travaux de petite ou grande envergure. Bah, notamment, il est musicien à la cour de l'empereur. C'est quand même une fonction assez importante. Et je vous ai dit tout ça, c'est très bien, mais quand on parle d'assimilation, il faut toujours garder en tête que ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense qu'on vit tous ou on a vécu dans un pays étranger. Et le rêve, c'est d'arriver dans un pays étranger, un claquement de doigts, et on parle la langue, on comprend tout, etc. Ça ne marche jamais comme ça. Et il faut un temps d'adaptation. Alors, Amio n'est pas différent des autres. Et lui-même en parle. Dans son mémoire qu'il publie un peu plus tard, il revient sur ses débuts. Et il explique. Il explique quoi ? Dans les différentes occasions que j'eus d'en faire usage pendant les premières années de mon séjour à Pékin, je n'oubliais rien pour tâcher de convaincre ceux qui m'écoutaient que notre musique l'emportait de beaucoup sur celle du pays. Vous voyez, Amio n'est pas différent des autres. Alors, on pourrait dire, mais c'est incroyable quand même, pourquoi toujours ? Mais au fond, je ne justifie pas ça, évidemment, mais c'est quelque chose de malheureusement très humain, je crois, de toujours, par exemple, c'est notre enfant qui est le plus beau sur Terre, qui est le plus intelligent, etc. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut jamais oublier. Et il y a cette dimension de compétition. Alors, je peux pas le dire dans toutes les cultures, mais en Europe, par exemple, cette dimension de compétition entre les arts, de savoir quel est le meilleur art entre la peinture et la sculpture, par exemple, c'est une vraie question. Entre la poésie, la musique, ou la musique et la littérature, c'est une vraie question, qui se répète dans le temps. Et donc, on peut imaginer forcément que, peut-être, puisqu'on est dans une culture comme ça, d'être plus enclin à vouloir montrer qu'on est le meilleur. Quoi qu'il en soit. C'est le deuxième passage qui est le plus important. Les sauvages, les cyclopes, les plus belles sonates, les airs de flûte, les plus mélodieux et les plus brillants recueils de Blavet, rien de tout cela ne faisait impression sur les Chinois. Je ne voyais rien sur les physionomies qu'un air froid et distrait qui annonçait que je ne les avais rien moins qu'émus. Je leur demandais un jour comment ils trouvaient notre musique et leur priais de me dire naturellement ce qu'ils en pensaient. Ils de me répondre le plus poliment qui leur fut possible que nos airs n'étant point faits pour leurs oreilles, ni leurs oreilles pour nos airs, il n'était pas surprenant qu'ils n'en sentissent pas les beautés comme ils sentaient celles des leurs. Donc c'est quand même incroyable. C'est que là, on a un témoignage. C'est Amio, qui n'est pas différent des autres, qui dit voilà, moi j'ai fait comme tout le monde. Je suis arrivé avec ma musique, j'ai fait écouter ça aux gens, et là, stupeur. Contrairement à ce que j'ai toujours lu ou entendu, ben là, effectivement, ça ne marche pas. Et Amio ne comprend pas parce que les extraits qui montrent les sauvages, les cyclopes, mais c'est parmi les airs les plus, on va dire, populaires. C'est-à-dire les sauvages, c'est, ben, on peut l'écouter. Vous avez les sauvages de Rameau. C'est ce qui se fait de mieux en musique française. Si vous voulez. Thank you.
Et donc, imaginez, Amyo, de bonne foi, on peut lui donner ça, il amène cette musique-là, et puis il constate qu'en fait, l'auditoire qui écoute cette musique n'a aucune réaction, ne fait aucune émotion. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Et il faut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a conscience, on le sait, c'était démontré que la musique, c'est un phénomène plutôt culturel. Donc, évidemment, il y a plusieurs systèmes en fonction des cultures, des sociétés. Mais il faut bien imaginer qu'à l'époque, 18e siècle, on pense, en tout cas en Europe, que la musique, c'est quelque chose de naturel. Et donc, si c'est naturel, c'est la même pour tout le monde. Et donc, tout le monde est censé le comprendre. Et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et alors, vous avez Jean-Philippe Rameau ici, qui est le plus grand compositeur français de l'époque, le plus grand compositeur de tragédie lyrique et un des plus grands théoriciens de l'époque. Et donc, même sa musique-là, ça laisse de marbre, on va dire, son public. Donc, on peut comprendre qu'il soit un peu dérouté. Alors, pour la musique, il va traduire notamment le commentaire sur le livre classique touchant à la musique des anciens, hein, le Gu Yue Jing Zhuang. Et c'est intéressant parce que c'est une première traduction. C'est une première traduction sur la musique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est un peu dommage, c'est que la traduction semble perdue. Apparemment, on l'aurait perdue. Mais on a des témoignages de personnes qui l'ont eu entre les mains, qui l'ont lu. Notamment, on sait qu'il a été lu et interprété par Jean-Philippe Rameau, qui n'a pas beaucoup apprécié. Mais il faut se rappeler que Rameau est théoricien lui-même. Et donc, s'il voit un livre qui parle de théorie qui n'est pas dans son sens à lui, on peut comprendre qu'il ne l'aime pas beaucoup. Mais plus intéressant, c'est que Amyo reconnaît lui-même qu'il y a beaucoup d'erreurs dans cette traduction par manque de connaissance du chinois. Et donc, c'est un premier essai, au fond, qui va circuler en Europe. Et alors, on sait qu'il a circulé en Europe parce qu'on a, au siècle suivant, François-Joseph Fétis, qui est un musicographe belge très, très important, qui va faire mention de l'existence d'une traduction espagnole. Donc, il existerait une traduction espagnole de ce manuscrit, donc de cette traduction d'Amyo. Tout est perdu. Voilà. Donc, si jamais on peut retrouver ces manuscrits, je pense que ça pourrait être très, très intéressant. Mais le vrai travail le plus important, l'apport le plus important d'Amyo, c'est son mémoire sur la musique des Chinois, tant ancien que moderne. Et ce mémoire, qui va être publié en France, en 1779. Donc, c'est un mémoire très important parce que c'est le premier vrai mémoire écrit par un Européen sur la musique chinoise et qui se veut complet et qui veut analyser ce qu'est la musique chinoise. Alors, Amyo, dans son mémoire, il a deux buts. Et ça va vous sembler étrange, mais c'est dit directement. Il veut, un, prouver l'existence d'un système musical chinois antérieur au système grec et égyptien. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire pourquoi au système grec et égyptien, mais en fait, parce que traditionnellement, en Europe, on avait cette idée que le système européen venait des Grecs qui eux-mêmes, donc de Pythagore, qui lui-même avait pris des Égyptiens. Ça va? Et donc, à partir du moment où Amyo, il trouve une source plus ancienne que cela, vous voyez, déjà, il veut prouver que si le système chinois existe, on a des sources qui précèdent tout ce qui est égyptien, c'est que les Chinois n'ont pas pu prendre notre système. Ils sont dans cette logique-là, il faut comprendre. Deuxième système, alors là, il est encore plus audacieux, il veut proposer le système chinois comme à l'origine du système européen. Effectivement, là, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et pourquoi il le fait? Parce que, alors, il y a plusieurs raisons. C'est que, il faut bien comprendre que je pense qu'il est de bonne foi. Je pense qu'il est de bonne foi quand il dit ça, mais que il a cette idée. Il vient d'une époque où tout a une seule origine. Et à partir du moment où vous trouvez, si vous voulez, le point le plus ancien, on pourrait dire que c'est ça l'origine du reste.
Aujourd'hui, on sait que les deux systèmes sont des systèmes différents, qu'il n'y a pas eu d'échange directement. Alors, il y a eu des échanges, mais plus tardifs, et que le système européen actuel ne vient pas du système chinois, et inversement. Hein. Donc, pourquoi il fait ça? Eh bien, on pourrait dire parce qu'il y a d'abord, je pense, c'est une possible réaction avec tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire que tous les commentaires qu'il a vus, tous les écrits sur la musique chinoise, etc. Donc, ils peuvent le pousser justement à dire, mais ce n'est pas vrai, et d'affirmer quelque chose de fort. Mais en même temps, ça ne peut pas seulement justifier ça. En fait, il va. Voilà, pardon. Donc, il va travailler sur son mémoire parce que il dit quelque chose de fort. Il doit le justifier. Hein. Il va le diviser en trois grandes parties. Du son en général. Et alors, du son en général, il faut imaginer, c'est une description, en fait, une division du son en 8 espèces de sons, c'est-à-dire ce sont tous les instruments de musique. C'est-à-dire, il va classifier ça avec les instruments en pierre, en métal, en soie, en bambou, en calebasse, en bois, on pourrait imaginer comme ça. Et donc, il va donner tous les instruments, comment ils peuvent fonctionner, etc. Deuxième partie, et c'est ça, cette partie-là qui est très intéressante, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais il va parler des lus. Et les lus, il va expliquer que c'est une sorte de 12 demi-tons. Et c'est ça qui va faire, donc les 12 demi-tons, je le rappelle brièvement, dans la gamme, si vous voulez, occidentale, pour faire simple, le mode tonal, on a 12 demi-tons, en fait, pour faire une gamme. Et il va trouver ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui-même va interpréter ça comme... Ben justement, la gamme européenne que les Chinois avaient comme système à la base. Alors, voilà, la question, c'est tout de suite, mais comment c'est possible? Parce que ça ne marche pas. En fait, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il interprète mal ces 12 demi-tons. C'est qu'il imagine que ce sont comme une échelle sonore, comme une gamme, si vous voulez, qu'on peut utiliser. Or, alors de ce que j'en sais, c'est pas une échelle sonore, c'est plutôt un moyen pour mesurer le son et, par exemple, pour accorder les instruments. Donc, c'est des emplois différents. Peut-être si je donne un exemple, ce sera plus facile à comprendre. Si vous prenez la musique tonale européenne, on a l'habitude de penser en termes d'accords. On a des accords et puis on a de la musique. Si vous prenez le système modal de la polyphonie flamande avant le système européen, vous avez aussi plusieurs voix. En général, vous avez quatre voix, parfois plus, qui vont chanter ensemble. Vous ne pouvez pas voir ça comme des accords verticaux. Ce sont juste des empilements. Donc, même si les accords se ressemblent, ce ne sont pas des accords parce que ce sont des systèmes totalement différents. Et donc, si vous le voyez mal, mais vous forcez ce système-là à rentrer dans votre système et ça ne marche pas vraiment. Et donc, dans le chapitre des lus, ben, Amiot va essayer d'expliquer pourquoi il peut dire que ben, si ça marche bien, il est 12 demi-tons, même si ce ne sont pas des échelles sonores qu'on utilise en fait dans la pratique. Et c'est là qui est intéressant, c'est que Amiot va surtout utiliser des livres chinois. En fait, il va utiliser une théorie musicale chinoise, comme il y a une théorie musicale européenne. Alors ça, c'est aussi un peu compliqué. Il ne faut pas comprendre ce terme de théorie musicale comme des livres pour la composition, mais bien une philosophie de la musique. Et donc, par exemple, la musique a des forts liens avec les mathématiques. Et donc, on a, par exemple, en Europe, Platon, on a Pythagore, Platon, Aristote, Plotin, qui vont parler justement de cette théorie musicale, philosophie musicale, mais qui a très peu de lien, au fond, avec la musique pratiquée. Et c'est ça qui, parfois, est compliqué, parce que Amiot va mélanger un peu les deux. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'il le fait de bonne foi, on le sent dans le livre, il montre un catalogue en début d'ouvrage où on voit qu'il a consulté, en tout cas, il prétend avoir consulté, mais quand on lit dans le texte, on pourrait imaginer que les références sont exactes. En tout cas, on peut les retrouver. Il y a plus de 69 ouvrages chinois qui sont mentionnés. Donc, il y a un vrai travail de fond en Chine avec des documents chinois. Vous voyez, donc il essaye au maximum d'enlever les intermédiaires et d'aller dans la matière même, en fait, du produit. Je trouve ça, c'est vraiment assez impressionnant. Et ceci étant dit, quand vous donnez un catalogue, bien sûr que nous ne pouvons pas le lire, ou en tout cas en Europe, on ne peut pas le lire si c'est en chinois,
Mais on sait qu'il existe et on peut appeler des traducteurs, justement, à se pencher là-dessus. Donc, il ouvre une porte, en fait. Je trouve que ça, c'est assez magnifique. Autre élément, c'est que dans son ouvrage, il y a la présence d'annexes, de très, très grandes annexes, avec la reproduction d'hymnes, va reproduire des hymnes, avec parfois des traductions, avec des descriptions, des notations musicales en système européen, avec des commentaires. On a aussi des figures, vous avez des exemples ici, avec des explications détaillées. Et donc, ces figures-là, alors on a un exemple ici, hein, mais vous avez vraiment des planches qui sont assez détaillées. On voit par exemple pour l'orgue à bouche. Donc, on voit qu'il y a plusieurs coupes, on voit que ces coupes, on voit l'intérieur, on voit plusieurs plans. On essaye vraiment au maximum de présenter l'instrument, de décrire l'instrument par la gravure. Alors, il y a une autre gravure qui est assez célèbre, c'est plutôt celle-là juste ici, parce que c'est assez drôle, parce que Amiot, après sa mort, va être plagié mais partout, parce qu'on n'a pas le même sens du plagiat au 19e siècle et aujourd'hui. Et donc, on va reprendre toutes les gravures d'Amiot, parfois en moins bien, pour les mettre dans des ouvrages plus tardifs. Et alors, bon, c'est drôle parce qu'il y a par exemple une lutte entre plusieurs musicographes qui parlent justement de musique chinoise et qui vont un peu s'insulter, un peu en fait s'attaquer sur le fait qu'ils pillent chacun à Mio, etc. Enfin, voilà, ça c'est les musicologues qui s'amusent avec ça, mais c'est pas forcément tout le monde, je suis d'accord. On a aussi des planches sur des danseurs. Donc, on n'a pas que de la musique, on n'a pas que des instruments. On a aussi des planches sur des figures qui peut renseigner, en fait, justement, sur ça. Et chaque planche est expliquée. Donc, elle est expliquée, commentée dans les annexes. Alors, et c'est ça qui est intéressant, parce que Amiot, il a une influence indéniable en Europe. Il faut imaginer, après sa mort, Amiot a creusé un sillon et tous ceux qui parleront de la musique chinoise, pardon, eh bien, vont s'engouffrer, en fait, ne pourront pas se passer d'Amiot. Et c'est ça, au départ, qui m'a passionné, qui m'a un peu convaincu de travailler un peu sur Amiot, parce qu'on voit justement toute cette lutte, toute cette dispute entre musicographes qui essayent de sortir d'Amiot sans pouvoir sortir d'Amiot et qui sont un peu coincés là-dedans. Donc, il a creusé un sillon, il a donné tellement d'informations qu'on a du mal à sortir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Amiot, quand même, est porteur de certaines limites. Un, il n'est pas musicien et il n'est pas musicographe de profession. Donc, il pratique de la musique, mais ce n'est pas un musicien professionnel. Et ça, eh bien, ça a une importance parce que il ne comprend pas forcément toujours bien le vocabulaire. Et déjà, le vocabulaire, je pourrais dire, européen à la base. Donc, bien sûr que si vous êtes praticien de la musique, vous connaissez le vocabulaire de base. Mais si vous allez dans des théories musicales, il faut plus qu'une pratique régulière de l'instrument pour pouvoir comprendre ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va utiliser un vocabulaire musical européen pour rendre compte d'éléments spécifiquement chinois. Et là, vous voyez, c'est là le problème. C'est-à-dire qu'il va coller sur une logique chinoise, en fait, des éléments européens. Et ce qui fait qu'il ne peut être que trompé par ça, parce que les apparences sont trompeuses. Par exemple, c'est intéressant, si vous étudiez un peu la philosophie de la musique de Platon, Platon vous explique qu'il y a la bonne musique et la mauvaise musique. La bonne musique, c'est la musique harmonieuse, c'est l'harmonie. Et la mauvaise musique, donc c'est la lyre, la harpe. La mauvaise musique, c'est l'holos. C'est la musique lascive, la musique qui donne les sentiments, qui fait... Et ça, on retrouve chez Confucius. On retrouve des éléments comme ça, avec la bonne musique qui peut régler justement la société, etc. C'est des éléments qu'on retrouve. Mais il faut bien imaginer que ce n'est pas parce qu'on retrouve ces éléments-là dans les deux parties qu'en apparence, ils sont exactement les mêmes, il peut y avoir des différences, que ça représente la même réalité, et il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué à comprendre, et on peut excuser Amiot de ne pas avoir compris ça. Aussi, je le répète, il étudie la musique des lettrés chinois. Ce n'est pas la musique des praticiens, ce n'est pas la musique des musiciens, en fait, en quelque sorte.
C'est comme si vous étudiez, ben, je sais pas moi, allez, si vous voulez, quand j'étais étudiant, j'avais eu un cours de philosophie de la musique, mais il n'y a pas un musicien, il n'y a pas un compositeur dans ce cours-là. C'est que des philosophes et qui vous expliquent, qui parlent de la musique. Et donc, c'est très intéressant parce que ça montre toute une. C'est une musique théorique presque, avec beaucoup de dédain pour la musique pratique. Il faut bien imaginer, hein, la musique pratique, les praticiens, bon, ça c'est la musique biologique, c'est pas la bonne musique. Donc c'est vraiment deux musiques différentes. Et Amyot, mais il ne parle pas toujours de la musique jouée en Chine. C'est assez ambigu, c'est assez compliqué. Alors, il faut à ça aussi remettre le contexte culturel de l'époque. C'est-à-dire que Amyot, il est dans une époque où on a cette volonté de retracer l'histoire de l'humanité. Donc, il y a toujours au XVIIIe cette idée qu'on veut retrouver l'origine. Et il y a une origine à tout, en fait. C'est que toutes les civilisations sont liées entre elles. Donc, remonter à la plus ancienne signifie, à cette époque, retrouver le berceau de l'humanité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'attitude d'Amyot, eh bien, on peut l'expliquer assez facilement. C'est que Amyot, première chose, il tente de sortir de lui-même. Ça, c'est quelque chose de vraiment indéniable. Il veut étudier une musique étrangère, mais pour elle-même. Il veut vraiment la comprendre. Il sort de lui-même. Il essaye au maximum de ne pas se mettre dedans, d'enlever tous ses a priori. Voilà. Par exemple, les mots d'Amyot lui-même. Pour étudier une autre culture, eh bien, il va préconiser de se taire et d'écouter beaucoup de temps. Et personnellement, je trouve que c'est très intéressant parce que, effectivement, avant de parler à l'autre, on peut d'abord l'écouter pour comprendre qui il est. Et si vous avez vécu à l'étranger, enfin, puisque nous vivons à l'étranger ou vous avez vécu à l'étranger, c'est un peu selon, eh bien, on peut voir que ce n'est pas toujours facile de bien comprendre simplement des présentations. Je vous donne un exemple très simple. C'est terrible. Je me souviens, j'étais dans la famille de ma femme, donc ma femme qui est chinoise, et il y a un de ses cousins qui avait un enfant, un petit bébé qui était arrivé, voilà. Qu'est-ce que je fais comme un imbécile? Je dis en chinois, alors comment il va le bébé? Hein? Voilà, papa, hein? Papa, et là, voilà, et là tout de suite, lui, il m'a dit quoi? Ah, mais il va bien, qu'est-ce que tu racontes? Il va bien. Et moi, je ne comprenais pas, parce que pour moi, c'était gentil, je demande comment ça va. Et vous voyez, on fait simplement une traduction. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous demandez comment ça va, sous-entendu, il y a un problème, en fait. Donc, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas dire ça. Autre exemple, c'est mon beau-père qui, on est à table, il mange très vite et puis il doit partir pour travailler. Il dit, ah, voilà, va manger. Hein. Et je me dis, mais c'est incroyable. Il me demande de manger lentement, alors que lui, il mange très vite et puis il part. Et vous voyez, c'est des choses qui. Bon, ça, je vous rassure, c'était vraiment au tout début. Hein. On s'habitue très vite. Mais au départ, c'est très perturbant parce que vous comprenez tous les mots. Mais en fait, vous n'attachez pas du tout la même valeur à ces mots. Et j'explique à mes étudiants, par exemple, quand quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va? Vous répondez ça va. Il faut jamais répondre ça va pas, parce que c'est juste une façon de dire bonjour, voilà. Et donc, ce sont des exemples ici très simplistes, très simples. Ben, on peut imaginer que même avec des exemples simples, on peut ne pas se comprendre. Donc imaginez avec des théories qui ben, sont pluriséculaires, qui, bon, hein, qui sont très discutées en interne, c'est absolument compliqué. Et donc, ce que préconise Amyot, se taire, écouter beaucoup de temps, je pense qu'il a raison. Je pense même parler, demander en fait comment ça fonctionne, en espérant que le locuteur comprenne, en fait, sache lui-même. Si vous voulez, la différence, parce que c'est pas toujours facile aussi, c'est pourquoi il a réagi comme ça, je sais pas. Vous voyez, si on demandait par exemple comment un Français réagit, et on pourrait demander à un étranger ou un Chinois qui dit mais pourquoi il a réagi comme ça, je ne sais pas. Parce que c'est très difficile de sortir de soi-même et de comprendre nous-mêmes nos interactions sociales, nos habitudes, nos codes sociaux qui nous semblent naturels alors qu'ils ne sont pas naturels. Alors, je reviens à Amyot. Il s'appuie sur une bibliographie locale importante. Vous voyez, ça, c'est le point positif. Il veut étudier la musique pour elle-même. Il s'appuie sur une bibliographie importante. Il essaye de produire un travail objectif qui, en dépassant ses a priori, ce qui n'est pas facile, mais il peut avoir une mauvaise compréhension de certains éléments.
Ça, on le voit, par exemple, avec les fameux lus. Et malgré, et je trouve ça c'est très intéressant, malgré sa bonne volonté, il reste prisonnier de certaines caractéristiques de son temps. C'est-à-dire que même s'il est conscient de ses limites, même s'il est conscient, c'est-à-dire du fait de devoir faire attention pour ne pas influer sur le résultat de son étude, eh bien, il n'arrive pas tout à fait parce qu'il reste prisonnier en fait de son temps avec une logique, des croyances et comment dirais-je, des connaissances, on va dire, qui le poussent justement à croire ça. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Beaucoup Roland, ce micro marche pas. Si, marche. Bon, reste là. Merci beaucoup Roland pour cette intervention, introduction aux travaux d'Amio. Passionnante, t'écouter. Je pense qu'on aurait pu encore t'écouter une heure. Donc, on sent que c'est un sujet qui te passionne. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques questions dans l'audience, s'il y en a. N'hésitez pas à soulever des questions. Merci. Bonjour. Thomas Carré, donc je suis arrivé en Chine il n'y a pas très longtemps. Donc peut-être que ma question témoigne du fait que je suis prisonnier de mon temps et de ma culture. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Ma question, c'était que en Europe, on voit que la musique, au niveau des harmonies, il y a eu l'histoire de la musique, c'est une histoire de l'élargissement. Au niveau de la technique, l'instrument a fait également aller la musique dans plein de directions. Et en fait, finalement, il y a une approche de la musique qui tend à considérer la musique pour elle-même, pour ce qu'elle est, et à l'écouter en tant que telle, j'ai envie de dire. Et donc, vous voyez venir, en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le cas en Chine, puisque dans les gammes, il me semble qu'on est resté dans quelque chose de très constant, dans les instruments, également dans la fonction de la musique elle-même, puisqu'elle a, il me semble, beaucoup été un accompagnement, en fait, d'événements de la vie ou d'histoire, etc. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des directions aussi différentes? Et si jamais il n'y en a pas, et que c'est juste moi qui mets des présupposés sur cette question, dans cette perception de la musique chinoise, ben, en fait, d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qui se passe dans la musique chinoise comme évolution? Alors, en ce qui concerne la musique chinoise, ça va être difficile pour moi de pouvoir répondre parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Ceci est la musique européenne. Alors, la musique pour elle-même, oui et non, je dirais, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a une discussion justement là-dessus, parce que on a quand même une musique religieuse très importante, et avec justement des codes qui vont continuer là-dedans. Maintenant, évidemment, je comprends ce que vous dites avec cet élargissement de l'harmonie, avec une professionnalisation du métier en fait, et avec les virtuoses qu'on connaît au 19e, et puis bon, donc effectivement c'est des voies différentes. C'est assez compliqué parce que bon, il faut toujours réfléchir. Alors je vais botter en touche, mais je vais essayer de le faire bien. Qu'est-ce qu'on entend par musique? Parce que là vous me parlez de la musique savante, voilà, et donc la musique savante c'est une part infime de la musique jouée par l'humanité. Et dans chaque société, on peut avoir des musiques savantes. Si vous prenez par exemple la musique folklorique, on peut trouver encore des musiques folkloriques un peu partout, autant en Chine que encore en Belgique, en France, etc. Même si, en général, les folkloristes disent que ça disparaît, que ça meurt, etc. Mais on en trouve toujours. Donc là, je dirais qu'il y a un premier nœud qu'il faudrait voir. De quelle musique on parle? Alors, si on parle de musique savante, de quelle musique de nouveau on parle? Est-ce qu'on parle de musique officielle? Ou est-ce qu'on parle d'autres musiques? Par exemple, il faudrait réfléchir en fonction des catégories, voir par exemple l'opéra. Par exemple, il y a beaucoup de variétés dans l'opéra chinois, avec l'opéra de Pékin, ce n'est pas le même que l'opéra de Shaoxing, par exemple. Donc, il y a des codifications. Alors, c'est très codifié. J'avoue que j'ai pas assez de connaissances sur le sujet de la musique chinoise pour rentrer trop dans les détails, mais on voit qu'il y a déjà une variété sur le territoire. Et ça, c'est important parce que on peut pas imaginer que l'opéra soit né partout au même moment. Après, cette idée qu'il est figé, si c'est l'art officiel, si c'est l'art utilisé par l'État, on peut imaginer que, bah, il y a besoin de stabilité
et donc qu'on n'aime pas trop cette idée du changement. Mais j'avoue, là, il faudrait regarder. Je me suis un peu documenté, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Je pense que si on trouve la réponse du pourquoi, on a répondu à beaucoup de choses. Donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas dire plus que ça, mais... Bonsoir monsieur, enchantée. Je suis assez curieuse en fait de pouvoir me permettre de vous poser deux questions minimum peut-être. Première question, la musique chinoise en général pour un étranger, pour un occidental, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les airs les plus représentatifs? Ou quels sont les instruments ou quels sont les morceaux de musique les plus représentatifs? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Deuxième question, est-ce qu'il y a vraiment un échange culturel dans le domaine de musique entre la Chine et l'occidental? Vous savez très bien que la Chine, traditionnellement, on avait historiquement les très vieux bianzhong, hein, les trucs, les bronzes à taper pour faire la musique. Ensuite, on a les sijou, c'est les musiques avec des cordes et aussi des instruments faits en bambou à siffler, y compris les tis, flûtes, sheng et lu sheng, xiao. Il y en a plein de choses. Et par contre, ce qui nous manque, c'est un peu des instruments métalliques. Donc du coup, notre musique est beaucoup plus genre, je dirais, jolie, mais pas aussi powerful, pas aussi puissant que votre musique. Donc moi, j'aimerais bien savoir, depuis le 18e siècle jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous voyez, cet échange culturel? Est-ce qu'il y a vraiment un échange ou est-ce qu'il y a vraiment un impact entre les deux cultures? Et comment vous voyez pour le futur? Merci. Alors, donc pour le futur, je ne sais pas. Le futur, ça, il faut. Nous devons le construire ensemble. Donc, ça, il faut voir, il faut discuter. Mais, alors, effectivement, c'est assez compliqué parce que ce sont deux systèmes qui sont tellement différents que c'est difficile de les faire peut-être cohabiter. Encore que, on le voit en Chine, qu'il y a parfois des groupes qui essaient d'intégrer des orchestres, de mélanger orchestres avec des instruments occidentaux et instruments chinois. C'est un effet qui peut être possible. Il y a un élément très intéressant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement en préparant la conférence, eh bien, c'est que l'harmonica et l'accordéon, eh bien, ça vient... Alors, ça ne vient pas de Chine, mais le système qui est utilisé, c'est-à-dire la hanche libre, eh bien, c'est des facteurs d'instruments européens qui ont importé des orgues à bouche et qui ont démonté, en démontant l'appareil, ils ont remarqué ce système-là et donc ils ont reconstruit des instruments européens avec un système qui était chinois à la base, en fait. Donc, l'harmonica, eh bien, à la base, vient... Donc, il y a des échanges, il y a eu des échanges. Maintenant, effectivement, c'est assez compliqué. Par exemple, je vous le dis, quand j'ai étudié la musicologie, ben, on fait la différence entre musicologie, on va dire, en Europe, hein, je parle évidemment, musicologie de musique savante européenne, et puis ben, on a toute la musicologie du reste du monde, et on parlera plutôt même d'ethnomusicologie. Donc, c'est deux musicologies totalement différentes. Et c'est pour ça que j'étais bien en peine de répondre, parce que mon domaine, c'est plutôt le domaine européen. Et même si je peux m'intéresser, me documenter, c'est difficile de justement... C'est, imaginez, c'est, voilà, j'ai un doctorat en musicologie, je peux pas étudier, je suis un enfant pour la musique chinoise. Voilà, je le dis très, très humblement. Pour votre première question, qu'est-ce que c'est que la musique chinoise pour les Européens? Alors, il y a plusieurs Européens qui pourraient évidemment chaque fois répondre, mais au départ, je pense c'est rien. Parce qu'au départ, c'est-à-dire qu'on n'a rien, on ne connaît rien. Et c'est, après, ce sont des clichés. Et les clichés qu'on peut avoir dans les restaurants chinois, par exemple. Je crois que c'est ça. Donc, on est d'accord que ce n'est pas ça. Hein, vous comprenez bien hein, ce que je veux dire. Mais c'est que ce sont des clichés, des images sonores qu'on a. L'opéra de Pékin, peut-être. Quelque chose de très coloré, quelque chose de... Mais au fond, on n'a pas idée de la richesse
justement de cette musique chinoise. Je pense vraiment. Je peux donner un autre exemple, un exemple peut-être plus simple, plus parlant que la musique. Si vous prenez Xiaozi, par exemple, mais qui connaît Xiaozi en Europe? Si je vous parle de Sangguo-Yi, qui connaît Sangguo-Yi en Europe? Vous voyez, par exemple, mes étudiants, ils se moquent toujours de moi parce que je fais toujours des références à Sangguo. Mais je le sais bien qu'en Europe, la plupart des gens, ils ne connaissent pas ça. Parce que ça fait pas partie de, c'est trop loin, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que, justement, on peut pas faire passer ces cultures-là, parce que moi, je pense qu'il y a des choses très intéressantes partout. Mais c'est tellement complexe, et c'est tellement grand, et puis il faut savoir par où commencer. Donc, de nouveau, je ferai la même réponse que j'avais faite à monsieur. Par quelle musique commencez-vous? Est-ce que vous commencez par la musique instrumentale, par l'opéra, par la musique folklorique, et puis l'opéra? Quel opéra? Donc, vous voyez, ces échanges-là, je pense, ils sont possibles. Moi, je pense qu'ils sont, les échanges sont toujours bons, mais c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Merci, Roland. C'est très intéressant, votre conférence. Alors, j'ai vu... Amyo et ses amis chinois, parce qu'Amyo leur demande ce qu'ils en pensent de la musique occidentale. Je ne sais plus quelle page. Et la réponse, c'est que alors, c'est cette musique qui n'est pas faite pour nous, les oreilles des Chinois. Je vais le retrouver. Et vice-versa, bien sûr. D'accord? Oui, c'est ça, bien sûr. C'est que voilà. Alors, ma question concernant justement du point de vue musicologique, c'est que est-ce que, enfin, Amyo, je crois que lui, il a bien remarqué que la musique chinoise de l'époque, 18e siècle, que lui, il découvre, etc., est basée sur une gamme pentatonique, ce qu'on appelle pentatonique, comme au Japon, en Corée, les pays dans le cercle de la culture confucienne, c'est ce qu'on appelle. Est-ce que il y a, enfin, par exemple, cette remarque, je sais pas si Amyo, il a bien remarqué que, du fond, c'est la différence entre la musique chinoise et la musique occidentale. Lorsqu'on parle des accords, la notion de l'harmonie, ça n'a jamais existé. En fait, dans c'est la musique chinoise, qui est basée sur une gamme pentatonique. Mais il l'explique, ça. C'est très bizarre, parce que si on entend, si on écoute donc un morceau de musique chinois, c'est vrai qu'il est très difficile de faire un arrangement, avec des accords. Mais en fait, il explique voilà. Tout ça. Et, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Je ne suis pas rentré dans les détails, parce que c'est affreusement compliqué qu'il explique. En fait, il va expliquer que, bon, première chose, les Chinois ont un peu l'idée que chez les Européens, c'est la même chose, qu'ils ont dénaturé la musique des anciens. Donc, ils ont perdu la musique des anciens. Dans la musique des anciens, c'était comme ça. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Et donc, la vraie musique chinoise, c'est la musique antique dont il parle, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il va expliquer, c'est vrai que le système aujourd'hui, c'est un système pentatonique, mais alors, par des savants calculs, il va arriver, en fait, à dire, mais regardez, ces gammes pentatoniques, ce sont de fausses gammes qui sont plutôt à 6 tons et qui... 6 plus 6, ça fait 12. Enfin, voilà, je simplifie un peu si vous voulez. Mais donc, il fait des arrangements, des calculs pour pouvoir expliquer ça. Ces arrangements, ces calculs, je pense qu'ils sont sincères tout de même. C'est qu'il essaie de. Il a trouvé la solution de son problème. Et il essaie de, voyez, à l'envers, de répondre à son problème de manière effectivement inappropriée. Mais donc, oui, il a entendu la musique. Mais comme je le disais dans la conférence, il ne parle pas de la même musique. Il parle de la musique des livres. Et donc, la musique des livres, elle est très différente de la musique joué et entendu. Voilà. À partir de ces observations, est-ce qu'on peut dire que la Chine du 18e siècle, dont Amyo a rapporté dans ses manuscrits en France, que la musique de l'époque n'a pas été encore bien développée? Enfin, on peut faire une comparaison entre une gamme pentatonique et une gamme heptatonique. Donc, il est difficile de faire une harmonisation.
Mais de nouveau, il faut réfléchir. Est-ce que le but de la musique, c'est d'être harmonisé? Moi, je ne pense pas. Je pense que chaque musique, dans chaque société, et donc il y a des logiques. Et pour apprécier, goûter la musique, il faut comprendre la logique de la musique. Donc, c'est-à-dire que chaque musique a des règles intrinsèques. Voilà. Et donc, il faut comprendre cette logique-là pour pouvoir la goûter la plus parfaitement possible, je dirais. Effectivement, je donne un exemple très, très simple. Beaucoup de gens, par exemple, aiment bien l'opéra italien. Voilà, l'opéra baroque italien, on trouve ça bien, etc. Et puis, quand on parle de tragédie lyrique française, ah ben non, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien du tout. Ben oui, pourquoi? Parce que si vous écoutez la tragédie lyrique comme l'opéra italien, la tragédie lyrique, elle a perdu. Parce que ce n'est pas du tout le même système. C'est-à-dire que l'opéra italien, c'est des grands airs, des grandes vocalises, etc. C'est très, très impressionnant. La tragédie lyrique française, c'est plutôt le texte. C'est du théâtre en musique. Et donc, c'est une toute autre atmosphère. Donc, forcément, je pense qu'on ne peut pas goûter. Même chose entre opéra seria et opéra de Wagner. Si vous écoutez ou vous écoutez du Verdi et du Wagner, si vous écoutez de la même façon avec Wagner, vous êtes mort, je crois, parce que Wagner, ça dure 3h30 sans s'arrêter. Voilà, pas une seule fois, ça continue tout le temps. Wagner, vous avez des airs, puis des récitatifs, et puis des duos, etc. Donc c'est pas du tout construit de la même façon, et donc on peut pas avoir de la même logique. Donc je pense que il faut vraiment, si on veut goûter la musique de chaque chose, il faut comprendre intrinsèquement. Je veux dire, sa valeur, ses règles, et la goûter pour elle-même, je dirais comme ça. Merci beaucoup, Roland. On peut prendre peut-être encore une dernière question. Sinon, on va. Bonjour, bonsoir. J'ai une question. De composer un morceau de musique. Alors, mais on en parlait justement avec monsieur tout à l'heure, c'est qu'il y a des messes alors, attribuées à Amyot. Alors, en général, je pense que ce sont des reconstructions, mais donc il y a des messes. Monsieur pourra vous montrer parce qu'il a des albums, si jamais voilà, ça vous intéresse, c'est possible. Donc, oui, il y a quelques morceaux où on a quelques témoignages. Sur l'authenticité même de cette musique, je ne sais pas, parce que ce sont des reconstructions, mais. Ça a toujours un intérêt, en tout cas au minimum historique. D'accord. Et c'est plutôt composer des musiques, des morceaux de musique en accordant des instruments ou. Musique vocale. C'est une messe, donc il y aura les deux, j'imagine, mais musique vocale. Vocale. Ouais. D'accord. Merci. Non ? Il y a des passages. C'est, par contre, ça fait très bouddhique. C'est ça qui est étonnant. Parce oui, c'est ça. Mais c'est pas vraiment la musique lettrée non plus. C'est fait... Non, c'est ça. C'est vraiment. Alors peut-être. Alors, la musique religieuse. Non, ce qui est possible, c'est qu'il y a des passages instrumentaux et puis des passages plutôt de prière. D'accord. C'est possible. C'est pour ça que. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est pour ça que vous avez raison de douter de l'authenticité, c'est que ça semble d'une inspiration vraiment bouddhique. Alors que Amyot s'est peu intéressé à la musique bouddhique, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt la musique lettrée qu'il a. Oui, c'est ça. Bon, après, ici, c'est juste son mémoire, donc il faudrait voir tous ses écrits, et donc ils sont peut-être complémentaires. C'est une recréation à partir d'éléments qu'il aurait donnés. Voilà, mais c'est toujours intéressant de le voir et de l'entendre pour avoir une petite idée de ce que pouvait être à l'époque. Je n'avais pas forcément une question, mais une remarque sur l'origine chinoise de la musique européenne. Et ça m'a fait penser au figurisme, c'est-à-dire au fait que, notamment chez beaucoup de jésuites français, il y a l'impression que Chine, on retrouve des signes chrétiens dans les caractères chinois, des choses comme ça, qui a été très mal vu par la suite, qui a été il y a eu des listes noires de figuristes. Bon. Et je me demande s'il n'a pas, si on ne peut pas rattacher ça à cette même tendance. Mais c'est une tendance générale, en fait. On recherche l'origine et on tombe sur une civilisation qui est plus ancienne que ce qu'on connaît chez nous. Justement, je trouve parmi tous ces jésuites, surtout les jésuites français qui sont restés assez longtemps en Chine et qui ont vraiment connaître en profondeur la culture ou de s'assimiler, je trouve que ça m'a pas vraiment étonné. Pensais que c'était assez courant, en fait. Voilà, c'est tout. Ça va, merci.
Merci, merci beaucoup. Merci encore une fois, Roland, pour. Merci à tous d'être venus si nombreux, présents ce soir ici à Pékin. Et également, merci aux plusieurs dizaines de personnes qui étaient connectées avec nous en ligne depuis toute la Chine et ailleurs. Voilà, merci encore de votre participation ce soir. Et puis peut-être sur une note un peu plus moderne avant de rejoindre le buffet. Sachez que, donc on le disait en introduction, Roland l'a rappelé, Amyo a vécu longtemps en Chine, plusieurs dizaines d'années. Il est décédé en Chine, ici même à Pékin, en 1793. Et nous avons la chance, en 2022, d'avoir encore sa stèle funéraire à Pékin. Elle est exposée au Temple des Cinq Pagodes, à l'ouest du centre-ville. Voilà, donc sa sépulture a disparu malheureusement, mais sa stèle funéraire existe encore et se visite. Elle est d'ailleurs bilingue en chinois et en latin. Voilà, et elle rappelle son parcours et sa vie en Chine, son œuvre. Voilà. Merci encore une fois, merci à tous, merci Roland. Bravo, bravo.